Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où en fait je vais vous montrer mon entraînement. Alors comme vous pouvez voir, tout le matos est là, il y a les ballons, les coupelles et l'échelle. Et donc d'abord je vais commencer par l'échauffement parce que bah j'ai pas envie de me blesser. Donc ici là c'est l'échauffement avec l'échelle. Le but c'est pas d'aller super vite, c'est plutôt de bien chauffer les muscles pour pas se blesser par après. Là je vais tenter une variante un peu plus compliquée, c'est-à-dire 3 pas dans chaque case. Ok, là j'ai bien travaillé dans l'échelle qui est juste ici. Maintenant on va passer à l'entraînement. Et je le rappelle, ce sera uniquement de la technique. Donc c'est-à-dire tout ce qui est fait avec ballon. Ok, une fois que j'ai jonglé avec le gros ballon, maintenant on va passer avec le mini ballon. Une fois que tu as jonglé avec le gros ballon, tu vas jongler avec le mini ballon. Bon, je vous avoue que ça, c'est pas facile du tout. Ok, maintenant qu'on a travaillé les jongles de différentes manières, on va passer au contrôle de balle. Bon, je vous avoue que ça, c'est pas un exercice facile à faire, mais je vais quand même essayer de le faire avec le mini ballon. Ok, maintenant qu'on a travaillé cet exercice là, on va passer à un autre. Donc je vais vous montrer tout ça et vous verrez que c'est pas super compliqué à mettre en place.
Alors maintenant qu'on a travaillé le contrôle de balle, on va travailler maintenant la précision des dribbles. Alors je vous donne pas des répétitions à faire, etc. Tout simplement parce que le niveau de chacun est différent. Il y en a qui vont tenir pendant 5 minutes et d'autres après 2 minutes ils vont être morts. C'est pour ça que je peux pas vous donner un temps précis à faire. Ça, on dirait pas comme ça, mais c'est super intensif. Bon, je vais vous montrer seulement certaines séquences, mais là ça fait environ 10 minutes que je le fais et je vous jure, je suis mort. Bon, là je vous avoue que je transpire comme pas possible. Avec 4 cônes, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors cet entraînement, on va le conclure par un travail technique qui sera mélangé avec de la finition vu qu'il y a le goal qui est juste là. Donc ici j'ai mis 4 plots qui symbolisent un adversaire. Là, il y a le goal. Et bien entendu, on va frapper pied gauche et pied droit. Oh, je vais peut-être faire un 16 sur 16, mais là je suis crevé. Bon, voilà, l'entraînement il est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Là j'ai mis 24 frappes sur 24, donc je suis content. Et je vous avoue que je suis totalement mort,
Pour ceux qui ont kiffé, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ceux qui veulent refaire l'entraînement, faites-le parce que franchement, il est top. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi, les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.